assassins seront punis, car ce sont les assassins d'un homme, mais aussi les ennemis de la République. 9 février 1998, le président Jacques Chirac rend hommage au préfet Claude Erignac, 3 jours après son assassinat. Ce sera sa seule visite officielle dans l'île en tant que chef de l'État. Nous représentons ici. Jacques Chirac aime-t-il la Corse? En tout cas, il est toujours resté en retrait des affaires de l'île. Dès les événements d'Aléria, alors qu'il est Premier ministre, c'est Michel Poniatowski qui est en première ligne. En 1986, lors de son retour au pouvoir, il reste au-dessus de la mêlée. C'est Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, le monsieur Corse, politique de répression à l'appui. La même année, il interviendra quand même pour l'île, alors exclue des fonds structurels européens, à la demande de son ami Jean-Paul de Rocazer. La Corse n'y figure pas. Donc Jean-Paul de Rocazer dit sa façon de penser au Premier ministre, mais très franchement. Et je me souviens que la conversation s'était conclue en disant « Jean-Paul, on va voir ce qu'on peut faire pour rattraper cette situation. » Et deux mois après, lorsque la liste définitive des régions éligibles au fonds structurel est arrêtée, la Corse y figure. En janvier 1996, Jean-Louis Debray, ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, se déplace dans l'île. Au lendemain d'une très opportune conférence de presse du FLNC à Tralonca, où le mouvement clandestin annonce une trêve. Ce n'est 11 mois plus tard qu'il s'exprime sur le problème corse. Le destin de leur famille, de leur communauté, de leur île, ne passe pas par les armes, il passe par la paix. En pleine cohabitation, lors du processus de Matignon, il sort de sa réserve pour s'opposer au projet de loi et insiste sur son risque d'inconstitutionnalité. Il reporte l'ordre du jour d'un conseil des ministres et appelle le Parlement à amender le texte. On doit donc rechercher une méthode permettant les transferts de compétences qui ne remettent pas en cause notre pacte républicain. À quelques jours du premier tour de la présidentielle de 2002, le candidat Chirac en meeting à Bastia et à Ajaccio en rajoute pour stigmatiser la démarche de Lionel Jospin. La Corse, terre ardente et puissante, a besoin de bien d'autres choses. De bien d'autres choses que d'un rafistolage institutionnel qui la placerait en marge de la République. 20h, les télés lâchent enfin le nom du 22e président de la République. Pourtant, la Corse, place forte du gaullisme, lui a donné ses meilleurs scores. En 1995, il obtient ici près de 60% des suffrages, alors qu'il ne s'est même pas déplacé pour sa campagne. En 2002, il recueille 96 000 voix. Pendant toute sa carrière politique, Jacques Chirac aura également été très entouré de Corses. Nous sommes à Ajaccio à quelques jours de la présidentielle. Il fend la foule et va saluer Jean-Baptiste Néri, un fidèle ami de 30 ans. Un jour, une des secrétaires de mon père reçoit un coup de téléphone et elle appelle mon père et elle lui dit « Maître, vous savez, il y a un monsieur qui vous demande au téléphone, il dit qu'il s'appelle Jacques Chirac, il a la voix de Jacques Chirac, mais c'est quand même pas Jacques Chirac qui vous appelle comme ça. » Et en fait, Jacques Chirac avait l'habitude de décrocher son téléphone et d'appeler ses amis quand il avait quelque chose à leur demander ou quand il avait envie de leur parler. Et c'était très surprenant parce qu'il avait gardé, même en étant président de la République, cette simplicité, ce contact humain. Des Corses qui ne l'auront pas déçu, même si lui a souvent déçu la Corse. Alors que Jacques Chirac tire sa révérence, son histoire avec l'île aura décidément été une romance contrariée.